Est-ce que vous avez entendu parler de Nat Turner? Nat Turner, c'était un esclave qui a organisé la révolte la plus sanglante, la plus terrible dans tout le système de l'esclavage. Parce que ce qu'on ne nous dit pas, comme dit la célèbre humoriste tout habillée de rouge, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que les esclaves se révoltaient tout le temps. Tout le temps. Alors on nous le cache bien, parce que bien sûr, si nous on suit le même sentier, on va se révolter tout le temps, et ça ne fera pas les affaires de ceux qui ne voudraient pas qu'on se révolte. Donc on nous apprend la non-violence, patati, patata. Mais tous les ans, tous les mois, toutes les semaines, tous les 15 jours, les esclaves se révoltaient. Et la plus terrible des révoltes a été celle de Nat Turner. Alors j'ai écrit cette chanson pour faire le parallèle entre ce qui s'est passé au moment où ce pauvre George Floyd s'est fait assassiner dans la rue. Donc ça s'appelle Nat Turner, et le sous-titre c'est George Floyd. Le fantôme de Nat Turner est toujours là, libre pour la sauvegarde et l'honneur du peuple américain. Les âmes des anciens esclaves éprouvent par la cruauté, éclairent leurs enfants qui parlent les lois de l'égalité, leur sang irrigue les richesses du blanc qui les a exploités, la souffrance a rempli ses caisses, glorifié sa prospérité. Si l'on protège sa fortune,
siècle, je vais te trouver. De cordillère des divisions, j'avais un banquier de tonnerre. Le vent de la révolution.